de la chance. Méga. Ben là, moi je vais faire pas de la chance. Ouais, je sais, je suis à Rennes. Je fais moins, et j'ai mieux. Le problème, c'est que j'ai pas de place. Tout de suite. Mon appart de 11 mètres carrés, j'ai déjà suffisamment du mal avant l'étape pour bouffer. Alors si tu peux me baisser dessus. T'es ici, Black Art, hein, si j'ai pas de bêtises. Yes. Dernière année, ouais. Ouais. Oh bah on monte en haut, hein. À défaut de monter en haut. On a défaut de monter en bas. Pirate informatique. Ouais, ouais. Les études de pirate informatique. Ouais. Pardon, cybersécurité, cyberdéfense. Pas le bon faux plat. Bah si, je croyais. Ou alors c'est celui à côté. Bah en même temps c'est peut-être un très bon faux plat. Ah bah si, c'est celui-là, mais c'est pas grave, on est à côté donc on y va à patte. Du coup on arrive sur quoi ici? Sur un PC. Venez, ah, c'est par le ici. PC que t'entends? Ouais ouais. Attention les gars, il y a une 50, il y a un canon sur un cube. On va monter ah, là-haut. Ok, on attaque par le nord. Ouais, parce qu'on est fuité. Comme un bison. Sous le commandement habile de Black Art. J'ai décidé de ne pas l'attaquer de face. C'est du lean management, j'aime ça. Une vraie décision inattendue. Ah, surprenant, n'est-ce pas? Beaucoup n'y auraient pas pensé. Ouais. Et s'y seraient cassé un peu plus que les dents. C'est sûr, c'est sûr. Certes. Certes. Certes, c'est un fait. Je dirais même plus, c'est un fait. Après j'aime beaucoup le principe de la colonne avec le chef du groupe et le médecin devant. On est pas en danger pour l'instant, tant qu'il n'y a pas de soucis. On n'est pas en danger, dernière parole de Blanquer. On n'est pas encore en danger. Putain, j'ai cru que c'était des mecs allongés là, avec Ali. Par contre, là, on va s'arranger. Pendant un quart de seconde. Oui, mais tu m'as pas vu me coucher. C'était pour ça. Oui. C'est quoi, c'est une douche qui a monté, ça? Là, il y a un canon sans recul un peu plus à gauche. Ouais, on les a dit ici, on a tout ce qu'il faut en visuel. On se déploie le long de la ligne devant, là. Et on attend. On peut allumer à cette distance? Oui. Oui, hein. C'est pas si loin, ils sont juste à côté. On est tactique cool, on ne l'est pas. À tout le monde, on se dépose sur le haut de crête et on se prépare à allumer. Donc c'est le canon à gauche et douche à droite. Hein. Camouflage à droite, Nad? Ouais. Ouais. Alex écarte ouais, pas encore un peu, exact. Mais au moins du 5-10 mètres entre nous. La priorité les gars c'est simple, c'est le SPG 9 sur la gauche et la Calypso 50 sur la droite. Plus la patrouille qui traîne. La Calypso 50 elle est là-dedans c'est ça? Pareil, oh, c'est sûr. 50 elle est là sur 12-7, enfin sur Land Rover. 200 mètres. Quand une roquette on perd toute la section. Ah oui, ok. Là et Bah la roquette, je vais le sniper dès le début, je vais faire un test. 350 mètres sur le... la 50. Si c'est toi qui te ouais, ça doit être pareil pour la SPG. Je le laisserai SPG devrait être à 300 mètres à peu près. Ok. Bon, je traite la SPG au... Ah, il vient d'allumer ses phares, SPG, ouais. Un coup. Ça fait chier, ma red dot est trop lumineuse. Ah, c'est con. Bon, vous êtes prêts? Yes. On fait les cibles avant, on tire pas tous sur le même truc. Ouais, si on cartonne dans l'ensemble, ça ira. Choisissez vos cibles et puis pas à tirer. On a 12-7 alors. À 3, 1, 2, 3. Ok, vous voulez encore quelque chose ou c'est bon?
Il y en a peut-être un qui s'est posé quitter la doucette et qui est parti vers le camp principal. Ouais, qui est derrière la dune. Ouais. Ok. Orsten, tu vas partir sur avec ton équipe. Tu vois, le premier bunker qui est devant, tu te serviras de la dune pour couvrir. On va rester là avec bleu et vert, et ensuite bleu vous rejoindra, puis on vous rejoindra, et ainsi de suite. Le but c'est de nettoyer, nettoyer trois patates, donc quand faut y aller, faut y aller. Rouge avec moi. Faites bien gaffe aux ouvertures qu'il y a dans les... C'est marrant, quand il marche, ça fait des petites fumigènes. Ouais, l'avantage du sable. De la poussière, Territor. C'était donc ça. C'était donc ça. Il est nouveau, tout nouveau, c'est ça? Pas tout à fait, non. Il était là à la dernière maison que j'ai faite, donc ça fait au moins 2 ans qu'il est là. Non, c'est juste pour nouveau. Savoir. Nade, là. Je sais pas trop. Je sais même pas comment ça se prononce, Nadé. Ta gueule. Ferme ta gueule, putain! Des années de traumatisme. T'es qui? Où je disais que je m'en foutais de la manière dont on prononçait mon pseudo, mais c'est parce que j'en avais marre de le dire. Alors qu'en fait, c'est pas vrai. Je voulais découvrir, je regarde la carte vite fait. N-A-D-E, Nad, comme dans... Oh, Nad. Je m'appelle... Nad, L-E-B-L-O-N-D, Nad. En fait, on avait surtout Marx, et qu'on confonde plus ou moins ton nom avec celui de Vadé. J'étais là avant lui, je crois, non? Ah non, on a dû arriver à peu près en même temps. Plot twist, il y a une mine antipersonnelle sur leur chemin. Il y a plus une mine antipersonnelle dans tout le Mali, et bah elle est là. C'est ça. Où ça? Qu'il y a une mine? Non, il dit conne. Il bah rigole. Ah, si fais pas attention à ce qu'ils disent. Bah, dites pas de conneries comme ça, les gars, sérieux quoi. Ça me surprend pas plus que ça. A tout hasard, je cartonne tout ce qui est autour du bunker. Bah non! Bah après, c'est à toi de réparer, hein. Donc. C'est la sûreté de l'emploi. Ouais, je suis j'étais quand même aux alentours aussi, qu'il n'y ait pas de patrouille qu'on n'aurait pas vu. Il y a un lapin qui vient de passer, mais genre son œil prenait toute la taille de mon viseur. Je regarde un petit coup derrière quand même. Non, je crois que c'est la première fois que j'ai un lapin qui vient aussi proche de moi dans la main. Il passe à travers Blackheart. Parce qu'il t'aime. J'ai pas souvenir des lapins, par contre, les serpents, ça m'arrivait souvent. Ah ouais, mais ça, premier bunker, clean, on avance direction nord-ouest pour un deuxième bunker. Nord-ouest. Ça va. Bah, Balnad, vous pouvez avancer jusqu'au premier qui était clean pour continuer à couvrir. C'est bien reçu. On vous couvre d'ici. Alors Sten, je t'envoie balayer Nad en renfort sur le premier bunker que t'as nettoyé. Ah, ah oui, c'est vrai, ils sont deux dans le... Ah, on a... Trois... Ça pue un peu là, hein. Pour l'instant, c'est que des fers d'illumination, donc... Lance-le ici, personne va le parler. Mais il risque d'y avoir des renforts. Ici, lance-le, j'écoute. Une frappe, ça sera pas blanc, ça dépend de faire lancer par, par artillerie. Ils ont cassé le filet. Donc si c'est une flèche pour assurer où est-ce que tu tapes, ce sera du blanc. Et on est pas en train de se faire... Non, pour l'instant ça va. Côté gauche. Derrière ça va pour l'instant. Parce que si les renforts arrivent, ils n'ont pas forcément de devant nous. Ah bon? Oh, ils sont méchants. Ouais. Je préfère quand ils viennent devant nous. Tiens, c'est marrant, il y a un... Ok, on vient d'arriver au premier bunker. Il y a un rocher qui ressemble à un charpentier. Bunker clear. C'est pas vous qui tirez comme un DF, taré là. Négatif. C'est derrière le... C'est traité, c'est traité. Ok, bunker gauche clear. Donc là on avait mis au bout de bunker. Ouais. N'empêche, j'ai une pensée pour Caradoc, et c'est Lambert. Hey, parce qu'il porte que des renforts ennemis là. Fais chier. Moi non plus. Tu sais pointer?
Ah, derrière. Ouais, derrière. Ouais, viens, viens, en fait. Oh, y a un troisième bunker! Derrière. Derrière l'autre bunker, il y en a un autre encore. Ah, ok. Oh, putain. Ah oui. Ils font un panneau. Un bunker peut en cacher un autre. Je décale bien à gauche, Blackheart, ok. Statut de ton équipe, Orsten, vous êtes entier? Oui, on est entier. On check les bunkers qu'il y a le plus à l'ouest. C'est bien reçu, je l'ai en visuel. Je vous couvre comme je peux. Puis ce qui tue, c'est quand t'as tout le monde, t'as plein de blessés, tu dis chouette, je vais pouvoir jouer, et le MJ dit bon, on pourrait aller plus vite, je les soigne. C'est ça. Et tu sais que je me suis encore fait niquer une partie. Bah, tu te sens capable d'avancer sur le dernier bunker qui reste le plus à l'est, enfin le plus au nord pour le après coup. La partie TFD où vous on peut, ouais. Et puis, ok, bah allez-y. Charlie Hebdo, donc finalement le jour de la mission, donc pas de mission. Et bah là, j'avais une partie de jeu de rôle en mode vous êtes des ministres dans des crises et tout. Et ben le jour où elle devait aller, Strasbourg. Faut que j'arrête de faire des. Quelqu'un peut aller vérifier derrière nous s'il y a rien qui arrive? Y'a. Yeah. Oui, bah oui, parce que moi je suis pas médecin. Ouais, bah. Tout ça parce que je vais pas que je lui parle, quoi. On peut quand même parler en voix forte, hein. Sinon, rien de neuf, la carte. Non. Tu fais quoi pour la nouvelle, hein? Ok, tir de mortier, les gars, va falloir dégager d'ici vite fait. Voilà, ça tombe jusqu'ici. Rouge, vous remontez derrière nous, vous évacuez le centre. Bunker sécurisé de notre côté. Ok, bah bleu, vous évacuez aussi, vous remontez sur la position. En mouvement. Quelque chose me dit que on va ignorer un dépôt de munitions pour attaquer un autre PC. On yes. va réduire leur capacité stratégique immédiate. Exact. À l'arrière pour le moment. Je vais devoir exploser. Ah non, exploser. Parce qu'ils vont mourir instant. Donc t'auras non, pas de des fois tu survis. Des fois tu survis. Regarde, la dernière fois que t'es médecin, t'as un groupe de commandement qui s'est fait exploser au mortier. Orsten, t'es intact? Affirmatif, on est en train de revenir là. C'était le meilleur moment de game. On est au niveau du canon sans recul. Ah ouais, on les voit à gauche. Ils sont 4 dans le groupe d'Orsen. Ils ont toujours été 5 dans le groupe d'Orsen. Y'a toujours eu un mec avec un turban et une barbe. celui avec le turban qui fait TikTok, ouais. Ah ouais, c'est un cosplay du crocodile de Peter Pan. Exactement. C'est un cosplay indien. Arthur de Lancelot. Arthur. Quel nom. Bonjour, ça c'est fait. Mortier! Bah quoi, ça fait quoi quand tu te casses? Pendant un quart de seconde, t'as pas encore, tu sais, l'effet de d'obscurité. Ouais. J'ai trouvé l'abri. Tu l'as pas ouvert. C'est sûr. Est-ce que tu as une maglite à jouer? Non. Bah, c'est ma maglite, non, c'est bon. Pas de blessé chez les rouges? Juste. On a un blessé au bras. Bon. En fait, j'ai trouvé. C'est vrai, fais-tu tuer vite fait. Une stratégie pour la suite des opérations. C'est ah ouais. Moi, ouais. Du coup, ouais. On fait un petit peu le bordel à côté des objectifs. On a pas fait les détruits eux-mêmes. J'avoue, je vais bander. Mais en soi, j'ai pas besoin de mettre. Merci. Ouh, ok, t'es bon. Hein. On véhicule. Je crois que ça, le message est cassé.
tire avec quoi là? C'est. Un saut! T'es mortier. Oh, c'est pas de la HE classique, ça, je pense. Oh, si, je pense. Mais mon levier! Ouais, j'ai le ordinateur laser suffisant. Ok, nickel, on aura besoin de ton assistance pour un tir à terre. Ah, ça se complique à ce point là, j'arrive. Ah, t'inquiète, c'est juste un tir à TK sur un BTR à moins de 300 mètres, donc c'est pas non plus. Sauf que c'est moi qui le fais, Placard. Il stresse quand même. Rassurant. Oh oui! Dis-toi qu'on fait le joli le camp. Donc j'ai mis Baal et Nad, ils sont sur le camp, sur le bunker à droite, ça va péter. Territor, moi, on se mettra sur celui du milieu. Ou après que le BTR soit défoncé, et j'ai mis Skicker sur celui de gauche. Ok. C'est la distance là. Alors, pour la T4, vous êtes à 247 mètres. 247 ah. Ouais, mais t'as 250. Ouais, c'est bon, et je suis prêt. Et tu vises au niveau de. À peine. Entre ses roues et le corps, le haut de ses roues. Ouais, ouais, ok, c'est bon, je suis prêt, les gars. À tout moment, j'ai t'es chaud tombé, si tu te portes une merde. Okay. Elle a tapé sous Dupo. Le premier véhicule d'un convoi. Comment t'as entendu? Attends qu'on se prépare tous pour l'attaque. Une fois que t'as compris comment fonctionnent les lunettes et les roquettes, ça va. Pas t'as pas de grosse portée, c'est. Tout le monde est prêt aussi, mais... Oui. Yes, sir. Ok. C'est bon. Attention au back blast, quand tu veux, Alex. Bien joué. Et maintenant, il n'y a rien à traiter au milieu parce qu'on ne voit rien. Je crois qu'il y avait un truc dans la fenêtre droite, genre là-bas. Passe pas au travers de cette putain de fenêtre. Non, on l'aura pas. Non, j'ai rien fait. Non, c'est les explosions du truc. A droite, ils ont pas réagi du tout, même. T'as toujours les deux cons dans la fenêtre qui ont pas bougé. Oh mon dieu! Machin qui explose à côté de toi, je pense que ton premier réflexe c'est de rester planqué. Hein. Ouais, oh mon dieu, ça. Le BTR alors, n'était là, que l'appât d'un verre géant. On avance, Blackheart avec rouge. Du coup, j'ai tiré avec le truc. Je te conseillerais d'avancer par la droite, Orsten. Ok. Rouge avec moi, on sera bas à droite. Ok, on y va. Alex, tu gardes le type avec toi. Hein. Non, mais pourquoi? Ah, dans l'armée française, on jette rien. Ouais, bah vous le reprenez, les gars. Mais c'est vrai en plus. Alors, on le met dans le véhicule. Ben normalement, ça va être mis en armurerie, mais bon. Ouais. Ici. Mais vous ramasserez les douilles aussi, hein. Le cuivre, c'est cher. T'as compté, j'espère. C'est la crise. Le président nous prend tout notre. Il y a bien des mecs à la fenêtre de droite. Il y a deux mecs à la fenêtre de droite, ouais. On attend qu'on se rapproche avant de les abattre. Ouais, laissez le groupe d'Orsen avancer. Les mecs, genre, ils se doutent de rien. Non, c'est oh, ça. Fête, c'est pas des connards allongés, là, sur mon laser? Non, c'est des cailloux. Blackheart, t'as la position par rapport à nous, des deux gars dans la plaine, à droite? Des gars dans la plaine. Pas de visuel, pour le coup. Ça touche pas, ça bronche. C'est chiant, hein. Tire en cloche. Ok, le groupe d'Orsen, ça a l'air d'aller. Ouais. Ouais, ils ont rien. De toute façon, c'est sur nous que ça allume. Non, c'est sur eux. C'est sur eux, c'est ouais. Sur eux. Ah ouais, c'était sur eux que c'est compris. Eux, c'est sûr. Alors, c'est pas grave. Des pertes acceptables, c'est les groupes d'assaut. Ouais, ils ont signé pour. J'aimerais bien éviter les pertes, en vrai. Bataillon d'ici. Plus de balles. Moi, pour éviter les petites pertes, j'utilise tant. Des chargeurs 30 coups maintenant, je fais plus tactical. Bah, de toute façon, quand t'as des chargeurs 50 coups, tu dis ouais, c'est bon, je suis large, j'ai 50 coups. Et puis tu tires autant qu'avec un 30, et puis t'as plus de munitions, sauf que t'en as raté 20 de plus. Parce que t'es pas habitué au fait que ton canon pèse bon, plus. Ouais, le chargeur de 50 coups, il a fait tout l'engagement d'avant, et puis là. Mais j'ai compté. Bah, regarde, moi, j'ai tiré 50 coups, il me reste des balles encore, il doit m'en rester 2 quoi. Mais... Ouais, c'est bien concentré, les gars, observez bien les alentours. Parce qu'à mon avis, on va pas s'en sortir aussi facilement. Narrateur, 2 points, ils s'en sortiront aussi facilement. Point. Non, je pense pas. Narrateur. Oh, lui, il va se faire flinguer par la fenêtre.
Mais ils tirent pas à travers les fenêtres, qu'est-ce qu'ils se buzzent? Si, si, ils ont tiré. Mais t'as mis un flash lumineux sans bruit. J'ai pas entendu. À croire qu'ils utiliseraient une technologie qui m'empêche d'entendre leur tir. Je vais chercher des grenades, j'arrive. Bon shopping. On avance par le bunker qui est visé par laser un peu plus à l'ouest. C'est bien reçu. On a pas eu de mouvement, on voit qu'il y a rien qui bouge. Bon, je veux que tu peux relâcher la pression sur les arrières, ni plus sur, sur l'avant. Ouais, l'arrière, je pense que ça ira. Oh mon dieu, menace à l'approche de l'arrière. Ça, c'est là, c'est... Du rouge, on se dirige vers le bunker central avec antenne. Bonjour, HB. C'est qui l'antenne? Ah. Ça va être lui là. Un bijou. Attention, je balance une patate sur le bunker tout à gauche, vous inquiétez pas. Il va pleuvoir. Nice. Le bunker le plus proche de vous, bleu et vert, il y a encore des gens apparemment. Ça compte pas les tirs de précision qu'on a intégrés. Celui que je pointe au laser là. Ouais, je confirme visuel sur AK dans le bunker. Ouais, il y a un connard. La fenêtre de droite, je crois. Je peux peut-être tenter une patate. Le reste. La fenêtre de droite, ça m'en a tout l'air. Là où je pointe. 150. Alors que je fasse pas de conneries, vérifions que mes... Voilà, elle est bien en laser. Ouais, c'est cette fenêtre là. Je crois bien. Ah, ce bunker là. Okay. Attention, patate. Ouais. Tant pis. On croirait presque que c'est fait exprès les bunkers. Ouais. Technologie. Ah oui, y a pas de toit au bout. Renfort ennemi. Où? Là-haut. Blackheart, on a sur place du matériel américain Javelin. 310 renfort ennemi. Bunker central. Alors Stan, y'a des renforts ennemis qui arrivent vers toi, on commence à les engager. Allez-y. Position. Ils sont Sur laser. Ouais, sur laser, ouais. Ouais. Même heure, si tu veux t'en rendre. Non, tu peux patate la Blackheart. C'est bien mon intention, ça part. C'est même pas où je tombe. Il y en a qui sont assez proches de la position d'Orton, c'est bien. C'est bon, ils l'ont vu. Mais y'en a un qui est couché à côté d'un buisson. Il y a dans la fumée, s'il est pas calé. Je savais que j'aurais jamais dû avoir confiance en ce constructeur, la blanque. On avance sur le bunker en hauteur pour prendre une position en hauteur par rapport à eux. Ouais, bien sûr. Faites gaffe, il y avait quelques personnels qui s'en étaient rapprochés. Qui seront peut-être dans le contrebas juste à vos 10-11h. Ça bouge dans un smoke. Ouais. Ah, ça m'énerve. Je suis énervé. Quoi, de pas toucher? Bah non, parce que Qs fait partie de ces personnes qui pensent que immoler ça veut dire foutre le feu. Ah bah oui, il a prévu avoir le feu. Ça sort d'un smoke, c'est bon. Il capote. Alors que immoler, ça représente vraiment le fait de tuer au moins d'une unité. Cause, en général, c'est pas forcément... Bah si immoler, c'est tué par le feu, quoi. Non. Immoler, c'est un sacrifice au nom d'une... En latin, immolare, ça veut dire tuer.
d'une certaine. Alors Sten, le bunker, il reste plus que celui qui est le plus proche de nous, c'est ça? C'est vrai qu'il est volé. Affirmatif. Ok, bah tu peux aller dessus, on continue à surveiller nous. Et puis après, une fois que tu as nettoyé, tu remontes sur nous et puis on dégagera d'ici. Reçu, on met un explosif sur les javelins. Afi. C'est à cause de WoW, ou des démoniques qui sortent d'une relation qui lancent des flammes. Ça sort du bunker devant. 12h. Putain, ils ont... C'était easy. Je sais pas s'ils ont survécu, les mecs dans le bunker le plus au fond. Bref, peu importe. Du coup, à Black Heart, les javelins qui sont trouvés, ils peuvent pas les ramener? Non, négatif, on fait tout péter, après on bouge. On a votre lanceur de toute façon, et vu qu'on s'en est pas servi pour l'instant... Ouais, mais bon, c'est un peu la crise, quoi. On dit ça, puis on ira... Ouais, mais après on a un dépôt de munitions attaqué, donc on le pillera peut-être au passage. Tu le revends au marché loin. À moi aussi, elle me coûte cher, la femme à balle. Pardon. Faut lâcher des cadeaux et tout. Elle te coûte cher, fallait pas lui faire de la quelle divorcer, de balle, celle que j'ai pas divorcé. Bah le pire c'est qu'il en a fait un premier, il a divorcé, il est retourné avec, il a fait un deuxième, il a redivorcé quoi. Ouais, j'ai jamais divorcé. Ouais, je vais se couvrir, j'ai consulté la carte pour prochain objectif. Il lui passera le bonjour. Dans un couple libre. C'est le soldat Rabelais. Mais c'est surtout elle qui est beaucoup de capitaine. Je suis le soldat Rabelais. Félicitations pour votre promotion. J'attends ma mutation au premier RCP. Oh putain, entre le premier CB et le premier RDP, je pense que tu restes au 13ème quoi. Moi j'aime pas les dragons. Ouais. Seeker, c'est Alex, regroupement au bunker le plus proche de notre groupe. C'est quand même con hein, des dragons parachutistes. Ouais, c'est bien sûr, on a posé l'explosif. 13ème RDP, c'est un peu des tucks quand même les mecs. Hein. Ça peut sauter en parachute un cheval. Oh, bon, oui, hein, après, je pense qu'il va pas être très à l'aise. Bah, je me pose la question franchement. Ouais, ouais, tu fais sauter les chiens en parachute, donc un cheval. Ouais, mais hein. Après, bon, je pense que c'est quand même vachement plus difficile de sauter en parachute avec un cheval accroché en ventrale, quoi, mais... Ah, c'est sûr. Mais... Ouais, mais tu peux... le cheval en ventrale, effectivement. Je pense que c'est plutôt toi qui es en ventrale du cheval, pour le coup. Bah non. Ouais, tu fais ce que tu veux de... Bah non, si t'as envie de te mettre... C'est ça. En plus, Bal, il est content parce qu'il me bite d'attache... Blackheart, tout est clair, on vous rejoint. Merci, bon boulot. On fait péter, arrivé à votre position. Ils seront trop longs. Pourquoi t'es en bleu, t'es... Putain, non, c'est l'eau. Non, bah, non, t'as c'est vert, de mais couleur. Le vert ressemble au bleu avec les JVM. Il y a HB qui est traumatisé par ça. Bah ouais, je me suis remis en vert. Rassure-toi, tu es vert. Mais c'est... ça s'est fait tout seul, le changement des couleurs, Blackheart. C'est une mise à jour de Ace qui a adouci les couleurs. Et pourquoi est-ce qu'ils font ça? Ils sont fous. J'ai pas de réponse à cette question. 14 jours à se mettre d'accord. Ah oui, mais c'est 2018. La dernière mode, c'est les couleurs pastel. Par contre, est-ce qu'ils vont développer la civière qu'on attend depuis le tout début de Ace? C'est peut-être un petit peu trop transparente. On va faire tellement. Vous allez à l'assaut pendant que l'équipe lavande et l'équipe menthe restent en support. Et puis au QG, tu les vois. Ça, c'est rose saumon. Non, c'est orange. Et en vrai, à la radio, ça créera une bonne confusion. Tout le monde demande parler. Parfait, bien joué. Yeah. Bravo. C'était super. Que demandez-vous, saumon? De quoi? Non, saumon demande. Bon, prochain objectif, on va s'attaquer au convoi ennemi tant qu'ils sont immobiles. Donc voilà, le premier convoi est pas loin d'ici, donc on va y aller. Je vais passer en tête, on va au véhicule. Ouais. Allez, c'est parti. Toujours rouge en tête? Non, je vais passer devant. Parce que le terrain est un peu traître. Ici, Lancelot, très mauvaise réception. Terminé. Ah ok, j'ai compris, maintenant tu sais. On est derrière vous là, je sais pas qui c'est mais... Vous voulez pas foutre un coup de laser dans le ciel? On est en train de rouler. Attends, j'ai rien. C'est ça.
La rive mobile. Ok, on s'arrête, on laisse les véhicules ici. On continue à pied jusqu'à la colline. J'essaie de faire une interaction menu molette, mais c'est dans le noir, je le vois pas. En fait, quand on est arrivé les premiers, ça m'a perturbé. Ah. Je me suis dit, merde, ils sont où? On était derrière. Je me suis dit, ah merde, le train, il voit, parce que avec les JVN, le GPS, on ne comprend pas très bien. Balle! Eh, venez, on monte sur la colline déjà pour faire l'observation, voir si le convoi est toujours là ou s'il a bougé. Ok, il est toujours là. Montez pas, montez pas. Sérieux? Oh putain, il y a un bon pick-up là. C'est blanc. Putain, il y a plein de pick-up. Là, t'es repassé vers. Mais ça, c'est ce qui se passe. Ouais. 2-3 coups d'AT4 et c'est bon. Le Black Arpin, chat. Ouais. Et à droite, je l'aime pas trop. Non, c'est clair. Ça va être lui le mec à abattre. J'ai un boom boom, c'est bien. Il y a un petit peu autour de nous qui est pas de. Ah ouais, d'accord, il est genre méga près le coup. Ah oui! Ouais. Un black art. Hein? On se disperserait pas. J'ai un boom boom dans mon dos, je pense. Ouais, ça ira. Y'a pas, pas de blindé. Pas de... Montez pas trop vite. Y'a pas de blindé, non. Les cibles, bah c'est les deux pick-up qui sont armés en priorité. Donc y'a un SPG 9 et un autre à l'avant du convoi. Et bah tiens. Alors Sten, Alex et moi, on va s'occuper des véhicules armés. Les autres, vous allez vous occuper de l'infanterie. Bon, préparez-vous. À 3. Je peux prendre celui de droite si vous voulez. 1, 2, 3. Allez, on les dégomme. C'est bon, les véhicules armés. On fait l'infanterie. Il tire dans les cailloux là, je sais pas qui c'est, Orsen et Alex, je crois. Faites gaffe, vous tirez dans les. Non, moi je me suis levé, je sors. Il y en a un qui est caché derrière le, l'avant-dernier pour. C'est bon, les KO. Ah, encore au fond en 30. Et ils sont allongés derrière le faux plat. Ok, Orsen, tu prends ton équipe, tu vas vers le faux plat, et là-haut, et vous redescendez sur le convoi. Rouge, suivez-moi. Les autres, on se déploie sur la droite, on passe derrière le convoi. À droite, ok. À gauche, pardon. Checker, suivez-moi. À gauche. Vas-y, j'arrive. On suit Black Air. On sent à l'arrière du camion, je crois pas que c'est mort celui-là. C'est une herbe bizarre qui fait une salade derrière le rail. Ouais. Ah, apparemment, il y a des mecs derrière les droits là. Je demande un bombardement de round up. Ouais, derrière le rail, mais je l'ai pas. Il est capote. Ok, bien joué. Peut-être seulement dans le colo. On ne dit pas un rural, mais un individu aux cheveux rouges n'est pas de bonne humeur. Ah, c'est toi. Il a cru quoi, lui? Je sais pas, il était en mode je dois garder ce camion. J'en ai repéré un là. Ah, je le vois. Ah, il s'est rebaissé. Culé. Sur mon laser, Orsay, y'en a. Ah, oh, c'est bon. Je vois pas ton laser, bah. Peut-être que je l'ai coupé. Ah. Je faisais clignoter en fait. Ok. Je suis blessé, je boite, il y a mon équipe qui s'occupe de traiter la position. Est-ce qu'il est... Ah, ils sont partis. Ah oui. Ils sont de quel. Ah oui, ok. À droite. J'ai juste là les boitouilles au milieu. Tu veux que j'aille le. Ouais, HB, tu l'accompagnes. Ok. En avant, garde du corps d'élite. On va avancer sur l'arrière du convoi. Niveau pour Orsen, ça a l'air d'être ok au niveau des voitures à l'avant. C'est bien reçu, vous restez en position en hauteur et vous surveillez.
On avance sur l'arrière, nous. Rouge, vous pouvez avancer sur l'avant des véhicules aussi. On va nettoyer, on va voir ce qui traîne dans le coin. À mon avis, il reste pas grand chose, mais bon. J'ai rien à savoir s'il y a des trucs à faire sauter, c'est ça qui m'intéresse. Ça a l'air d'être bon, non? Une caisse d'armement là-bas. Ah, ça c'est bien ça. Tu la vois? Ouais, je la vois. On va avancer sur la caisse. Mission de sauvetage en pleine montagne réussie, chef, on revient au camp. Ok, merci. La carte, j'ai du matos visiblement américain sur position, on s'approche pour vérifier. Ouais, je confirme. Qu'il y a dans la caisse. Là, voilà. 8 tubes de CLU. Ok. Bon, tellement triste. Ça coûte cher. Bon, on va prendre les Ourals. On va les paquer. On va charger les caisses américaines dedans. On va paquer les deux véhicules armés. On fera tout sauter avec une charge. Yopo, tu ramènes le pick-up armé. Je vais chercher le SPV. Vas-y, il est où? Je prends le dernier roi, je vais charger la caisse de matériel chavelin dedans. Mais où? On a repris le véhicule qu'on a flingué qui s'enfuyait aussi. On peut le mettre au milieu là. Ouais, je suis dedans. Des pick-up, comme ça, ça pètera tout. Ouais, mais tout au milieu des pick-up, on va tout faire péter et puis après on s'en va. Les autres qui sont pas en véhicule maintenant permettent de la sécurité quand même parce qu'on fait du bruit. Confirmez qu'il n'y a qu'une seule quête de matos. Je crois bien, la carte, j'en ai pas vu d'autres. Ok, merci. Oh putain, BMP. Bonjour BMP. Azimut 200 par rapport à ma position, il est 50 mètres devant moi et j'ai pas l'impression qu'il soit actif. Ah oui, je le vois, ça m'a donné pas en effet. C'est une épave ? J'en ai l'impression, ouais. Affirmatif, oui, c'est une épave. Confirmé, c'est bien une épave. On y va avec Rouge. Ah, vous pouvez descendre. Affirmatif. Ok, merci. Bon bah. Les véhicules sont paqués, il y en a un chez Rouge qui place une charge, les autres remontent sur la position initiale où on a laissé les véhicules et préparez-vous à tout faire péter. Allez, bleu, vert, on remonte, on laisse Rouge s'occuper des charges.
Je t'écoute. Je t'écoute, Nad. Tu peux me porter? Hein? Tu peux me porter? Non. Prends la carte, on fait sauter. Vas-y. Vas-y, Alex, quand tu veux. Ok. À tout moment, ça explose. Oh la vache! C'est joli. Ah, les pick-up qui s'en sont sortis quand même, les premiers. Ouais, c'est pas grave. Kebab, Wokbar, bonjour. Bonjour. Ah, c'est plutôt Kebab. Ouais, je l'ai acheté. Ah, parfait. Par contre, la prochaine fois, tu nous envoies des marques. Je crois que t'as deux voitures qui ont survécu. Pas très grave. Je suis déception. Ouais, moi aussi. Quoi, T4 ? Non, oui, non, on peut utiliser un T4, T4 pour ça. Demande de frappe, demande missile prédateur. Il y en a un, ce sera notre futur Tango. Bon, on a un prochain convoi pété plus au nord-ouest d'ici, donc. Enfin, nord-est, pardon. Donc ah, tu veux pas t'occuper du camp d'abord Négatif, on va se faire tous les convois pour éviter l'envoi de renforts sur les dépôts de munitions et sur le camp. Putain, ouais, le mec il a pensé à tout quoi. Je sais pas, c'est un truc. Ouais, je sais. Ça fait combien de temps que vous êtes dans le métier? 5 ans. T'as pas 50 ans plutôt? Non. Bah désolé hein. Bientôt. Dans 30 secondes. Un petit peu en drapeau, mais on verra le véhicule de toute façon. On descend, on va faire périmètre en attendant les autres. On va savoir, ils sont derrière, ils arrivent. Le Varna déballe 600 km devant. C'est quoi l'objectif, chef? Les véhicules encore? Ouais, encore un convoi. Allez. Le même? Je sais pas si c'est le même, mais ça reste un convoi. On monte voir. Yes. Les gars, vous avez votre tube? Oui. Faudra peut-être vous en servir sur ce coup-ci. Prends le trépied. Marche. Et du bon? Je sais pas. Je me dis que c'est au cas où. Au cas où la dernière fois, résultat. Hein. Pas tout qui les porte, hein. C'est lourd. Hein. Ouais, bah. Après, là, on a le dos flingué à 30 ans, on peut plus rien faire. Exactement, ouais. Oh là là. Appelez les syndicats. Exactement. Et bah, c'est ce qu'on va faire. Dès qu'on aura du réseau. La carte, on peut avancer parce qu'il est vachement plus loin. Arthur à Lancelot, vous me recevez? Voilà. Bah justement, on y va à patte. On va pas, okay. On va pas avec. De Lancelot, j'écoute. Nous informons qu'il semble que les forces du camp aient été alertées par les actions dans la région et tentent de rejoindre le convoi au nord pour faire jonction. C'est bien reçu QG, on va les attendre terminer. On va se mettre en place et on va attendre parce que le camp qui est à l'ouest d'ici a été mis en alerte de par nos actions et va donc suivre la route pour rejoindre le convoi. Donc c'est très bien, on va les attendre. Ouais, c'est djihadiste, ils utilisent les routes. Est-ce qu'il faut pas placer l'AT? Si, si, c'est prévu, on l'a sur le dos. Les
gars, position. Position 1, 2. Les gars, position plus à gauche. C'est bon. Si le convoi suit la route, il arrivera probablement par la route qui est au sud. Pour information. Où est la bête? Je sais pas. Je vais voir un peu. L'Afrique. Non, il vote là, là, juste devant nous. Dans le coin. Pas trop vite, les gars. Ah, allez-y doucement, les gars. Lex, retourne. Attends. Je retourne où? Attends. Dans ton pays. Ah ouais, belle vue d'ici. Yep. Exactement le même type de convoi. Alors, ouais. Pas de blindé, mais on sait pas si on a pas carré. On peut déployer la T ici et faire de la frappe. Par désignateur. Ouais. Ah, la désignation laser. Tu sais s'il y a ouais, pas c'est du... ce qu'on fera. Tu sais s'il y a pas du blindé qui vient depuis le camp? Je sais pas. Parce qu'on a vu ça. La carte. Ouais, je t'écoute. Je remonte à peine sur la hauteur pour éviter de me bouffer une motte de sable à la sortie du tube. Ouais bah bien sûr, fais bien gaffe en déployant que les renforts vont probablement arriver par la, la route sud, c'est la plus proche du camp. Logiquement ils vont passer par là. Ouais bah on va attendre qu'il fasse jonction. C'est un sac à dos. Donc je répète les ordres, on va attendre que le camp fasse jonction avec le convoi, donc il y en a pour pas trop longtemps, je pense qu'ils ont juste 5,5 km à faire, donc voilà, ils vont arriver par la route qui est au sud. Donc restez bien allongés et puis on bouge pas, on attend. Je sais pas parce qu'ils sont tous bien alignés leur véhicule. Donc... Ils sont à combien de mètres, Blackheart? Je vais te dire ça. 270. Ils sont entre 250 et 300. Ouais, plus ou moins 300 mètres. Tu peux dire exactement combien? 279. Oh là 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 là, t'es... Et j'étais pas loin. J'étais pas loin. J'avoue. Par contre, t'as utilisé du français, Blackheart. Oui, parce qu'il y a un retard. On voit du mouvement là, on voit du mouvement, Blackheart. Plein de mecs. Ouais, je vois ça. Apparemment, c'est un paquet d'infanterie qui vient vers nous. What the fuck? Ça vient pas où? À limite sous 200. Ils suivent la route comme prévu, ils vont bientôt faire jonction avec le convoi. Ah oui d'accord, okay. C'est pour ça que je peux aller voir. Il y en a pas mal qui restent en arrière, Blackheart. Non, ouais, ça se déplace encore, il y a beaucoup de mecs. Ouais, mais il y en a pas mal en 263. Blackheart, il y a une patrouille qui les suit pas là-bas. Ouais, je la vois. Et là, t'as des mecs à l'arrêt. Uh-huh. Je vois aussi. Ils vont se mettre en mouvement bientôt. Vous les voyez, l'infanterie, les gars? Tu veux que j'aille leur demander quoi? Hein? Tu veux que j'aille leur demander quoi? Non. Faut que t'ailles leur vendre le calendrier des pompiers. Vous êtes intéressé par le calendrier des FS? Non, ils ont rien d'armé. C'est un calendrier de fesses? Merci. Ouais. Les gars, il y a du monde qui va arriver à droite aussi. Non, je me concentre sur ce qui est devant. Putain, mais ils avancent à deux à l'heure là, courez avant de. Voilà. Mais ils courent, du calme. Allô, dos. Ah non, j'ai des fourmis dans le pied, non. La carte. Ouais. L'idéal, s'ils arrivent par le sud, comme là on a une vue bien dégagée sur le sud, ça serait de nous faire une désignation laser sur le quand ils seront pas trop loin sur le groupe de renfort pour qu'on leur balance un AP dans la tronche, histoire de lancer les hostilités. Faut leur prévenir qu'il n'y a pas de véhicule. Il y a pas de véhicule, c'est que de l'infanterie donc. Ouais, mais on a de l'anti-infanterie hein, sur les. Ouais, pas de la paix alors. Ouais, bah. Nad, reste en stand-by parce qu'à mon avis, on va faire jonction avec la tête du convoi et de là, tu balanceras un missile sur la tête du convoi pour lancer les hostilités, comme tu dis. Mais on en a encore pour un petit temps, le temps qu'il y ait tout ce petit monde qui arrive. Je pense qu'il y a au moins une quarantaine de personnels facile.
En vrai, ils vont se fatiguer des bras s'ils viennent depuis le camp jusque là en gardant leur arme enlevée. T'imagines? J'imagine, ouais. Tu vois. Moi, je vois. Quand tu vois. Ah, je vois. Putain, ça donne envie. Hein. En tout cas, il y a un bon paquet. Hein. Des petites colonnes de connards. Putain, j'aurais voulu avoir un lance-grenade. On peut pas toujours tout avoir. Hein. Non, c'est la morphine ou le lance-grenade. Et pourquoi pas faire un lance-grenade de morphine? Mais ce qui est marrant, c'est que j'ai des rushs avec les deux. Quoi. On va traiter d'abord ceux-là, non? Ils peuvent pas nous voir, les gars. Il y en a un qui vient vers nous. On t'a déjà dit de pas sniffer les grenades. Moi, j'ai une bonne vision sur quasiment tous. Hein. J'aime le goût du plâtre au petit matin. Bon, ça va. Ah, surtout qu'il faut déjà qu'ils voient d'où on vient, si vous avez pas tous des traçantes aussi. En fait, ce que je comprends pas trop, c'est ta position HB. Je sais pas trop pourquoi tu te mets là. Tout le monde n'en met pas que toi, hein. Tout le monde a des traçantes à part moi. Mais je comprends pas pourquoi tu te mets là où t'es. Parce que comme ça, je suis légèrement dans un DVR, donc si jamais il y a une roquette qui vous part dessus, elle me touchera pas. Ah, aussi. Okay. Quelle roquette? Et on sait jamais, hein. Oui, et puis à la base, en fait, je regardais en direction du convoi. En direction des connards, donc j'étais aussi légèrement protégé par le dévers. D'ailleurs, à propos de roquettes, je vois pas de RPG. Moi, les gars, je les vois pas. Bordeaux, hein. Bah ouais, non, ils ont pas de RPG. Tu les vois pas, Alex? Ah. Pas de RPG. Ils sont là-bas, Alex. Ils sont tranquillou. Ouais, je vois celui de devant. Regarde encore plus à droite. Tu dois peut-être monter ta portée visuelle. Ah non, c'est bon, ouais. La carte, tu veux que je me situe un peu plus distant ou plutôt je reste avec Nad ou je vais avec Bouki? Ah, tu vois, si personne ne joue, je savais pas grand chose, je pensais qu'on a. Le convoi, le. Tu peux monter avec nous. A pris la route et semble rejoindre le convoi qui est situé. Ça marche. Des petits environs de l'île Batek. Ouais, on a encore une bonne 10 minutes, 20 minutes. Le convoi qui était situé le plus au nord dans la zone de la Belle Aile. Semble rejoindre le convoi qui est situé au nord de du dépôt de carburant de Imbatec. Il passe par la route ou pas? Affirmatif, mais il semble déjà quasi bientôt avoir fait jonction avec le convoi. Ok, bien reçu. Si je n'aime pas survivre à cet affrontement, Blackheart, je tiens à dire que j'ai beau t'insulter à peu près tous les jours, au fond de moi je t'aime bien. Ça marche. Perceval, le Lancelot. Ouais. Vous en êtes où, vous? Lancelot ici, Perceval, parlez. De Lancelot à Perceval, vous en êtes où, vous, dans vos déplacements et votre nettoyage d'objectifs? Soyez avisés qu'on a traité l'intégralité des objectifs, excepté le convoi nord qui est en train de se diriger vers le convoi alloué à votre secteur aux coordonnées approximatives de 261-943. On s'apprête à se diriger dans le secteur pour faire une reconnaissance et aviser de la taille de la fusion des deux convois. Parlez. C'est bien reçu de mon côté, je suis en stand-by au convoi un peu plus au nord, nord-est du vôtre, nord-ouest pardon. On attend aussi que le camp et le convoi fassent aux jonctions. En jonction courant, terminé. Il y en a qui se dirigent vers nous, je crois. Pas envie ça de commander un petit A10 là qui passerait dans non, le tas. Après il y aurait plus rien pour nous. Ouais. Mais il y en a encore tout au fond là-bas. Pour votre info, notre groupe jumeau va entrer en action dans notre secteur à plus ou moins 7 km au sud des zones d'opposition. Ils vont intercepter deux convois qui vont faire jonction. Donc vous étonnez pas si ça cartonne un peu avant nous. Ils ont bientôt fini, eux. Eux, ils ont fini la majorité de leurs objectifs. Donc ils vont venir nous donner un coup de main après. Ah, ça y est, on va encore avoir des assistés. C'est vraiment immense comme map pour le coup. Ça. Est-ce qu'on...
Est-ce qu'on détruirait pas le premier véhicule? Pour la faire comprendre. Et moi je suis que simple soldat, j'entends pas les plans. Bah ouais. Mais t'étais pas là à la répète de la mission? Non. Ah, parce que on l'a déjà faite en fait hier. Non, j'étais absent. Mais j'ai mon justificatif à la maison. Ça va alors. Ils ont bougé Black Air, je pense, non? Bientôt. Faire, les salauds. Bah enlevez vos JVN, vous allez bien voir. Hein. Faut pas qu'ils partent. Putain, ils sont tous devant les phares. Nat, t'es prêt? Il y avait des zombies. Ouais. Une seconde. Faut être prêt. Je te marque faudra la cible laser. Prends le truc à gauche. Vise assez haut, hein, Nad. De toute façon, si je me rate, vous êtes tous morts, donc. C'est vrai. T'as le verrouillage? Putain, le screen ici quoi. T'as pointé au laser là quelque chose? Oui, le véhicule de tête. Tu l'as ou tu l'as pas? Je l'ai. Dis-moi vite. Ok, bah tant pis, laisse tomber. Sinon, on le rapproche et puis on le fait sans fil guider. Non, c'est bon, pas le temps. Ils vont partir sinon. Sinon, j'ai mon rocket. J'ai balancé une patate sur le véhicule de tête. Quand elle tombe, vous flinguez tout ce qu'il y a. Oui, j'ai mon rocket, hein, chef. Préparez-vous. Non, bon. Non, t'inquiète, t'inquiète. Quand elle tombe, j'ai dit. Mais. Arrête. Bon, bah, allez-y. N'oubliez pas les mecs qui sont sur la droite, ceux qui sont encore dans la pampa. Il va pas aller bien loin. T'es propre? Monsieur, je crois que c'est un carton plein. Je me lève au cas où. En même temps, quand on va dire que ta grenade a dû pousser. La moelle. Je crois que c'était la grenade la plus assassine de l'histoire de TFD. Bon. Ça va, y'a pas de blessés, y'a personne qui meurt dans un coin et personne n'a vu. Alors, Sten, avec ton équipe, tu me descends sur le convoi. Je vais récupérer mon sac, attends. Bon, sûr, on y va. Désolé, on a des balles pour la non-action de votre lanceur. Je suis très malheureux. J'imagine. Tu devrais essayer de refaire un test tant qu'on a... Ouais. Essaye de te déployer là, on va faire un test tant qu'il nettoie le convoi. Parce qu'avec le brin on a réussi à hein, faire ce que tu voulais okay. faire à l'instant. Ouais, ouais, je sais, mais là j'avais pas du tout le signal sur le. Peut-être que tu dois déjà l'avoir verrouillé une fois avant, parce qu'en fait. Enfin, c'était assez particulier quand le brin a testé, vu qu'il s'était porté, ça a peut-être truqué le truc, je sais pas. Je vais verrouiller le véhicule de tête au laser là. Tu l'as? Verrouilleur Sten. Non, alors je peux. Attends. Bouge ton laser. Ouais, le même ouais, là, je l'ai là. Tu l'as là? Mais je pense que c'est parce qu'il y avait un. Et sur le premier là, tu l'as pas? Je l'ai là. Ah, ok. L'arclear Black Art. C'était pour vérifier. Pas de caisse américaine en extérieur. Pour vérifier que j'avais pas verrouillé le véhicule directement, mais que j'étais bien sur ton. Ok, reçu. Bah écoute, essaie de tout paquer comme tout à l'heure. Tu mets une charge en plein milieu, puis tu fais péter. Et puis après, on s'emmerde pas, cherche après la caisse. Si tu fais ton. Fais juste péter les ouvrages. Avec le radar. Fais pas le nom de ce que tu vises.
Oui, pour être là, sûr que c'est ça. Là, oui, aussi. Pour voir. Ah, les débutants. Il y a de la chance. Ouais. De la chance, maintenant, faut être gentil en mission. Bah, c'est bon, avec moi, tu peux être méchant, j'ai l'habitude. On prend toujours plein la gueule gratuitement. Oh, Pichoun hein. C'est trop pas du. Et lui, ouais, je vais. Pas ton pique-nique. Hein. Juste là. Voilà. T'as pas bougé depuis 20 minutes, quoi. Bah, écoute. Si on me dit pas qu'on part, moi. Il va falloir que je teste ce truc-là en solo, quand même. Y'a pas de raison. Vraiment, c'est pas compliqué, hein. Ben. Non, mais je sais pas, c'est que j'ai pas forcément eu beaucoup de temps d'essayer aussi à présent. Donc, c'est quoi ta F pour passer en top et en. Alors, F, ça passe en effet en le top et le direct. Oui, F. Si et l'autre, c'est. R pour sélectionner ta cible. Si t'as pas de cible, t'es en philo guidé. Et quoi qu'il en soit, quand le tir part, tu dois être bien plus au-dessus. Sinon, c'est. Comme sur un. En philo guidé, même, guidé, même pire qu'un Milan. Non, mais sur n'importe quel. Sur n'importe quel mode. En fait. Ouais. Genre, si tu veux, si je voulais viser la voiture là, je viserais comme ça. Quoi. D'accord, je vois. C'était vraiment. En fait, sûr. De toute façon, quand tire, il n'arrête pas. Bon, prochaine étape, on va aller vérifier le camp, d'où les mecs sont partis. Il reste peut-être des mecs, donc on va jeter un coup d'œil quand même par acquis de conscience. Rouge, c'est merci. Tu peux faire péter, Orsten. Vert, c'est bien reçu. Et ils auront pas. La belle bleue. Bon, on va le pick-up, on va en profiter pour faire un point munitions, organiser le chargeur et tout ça avant de partir. Allez, en route. HB. On y va. C'était quoi ce bruit? Ouais, je me suis posé la question également. On aurait dit un départ du missile. Attendez, il y a blindé là. Attention, ici Perceval parlait. Ça. T-34 en déplacement. Ah oui. Sur laser. Zinade. Balada. Zinade. Y'en a deux, hein. Do the thing. Attention, ici Perceval parlait. Étalez-vous le long de la ligne. Tu l'as vu ou pas, Blackheart? C'est bon. Ouais, ouais. J'écoute. Vous en êtes où là? On vient neutraliser un convoi, on va partir sur un campement, mais pour l'instant on doit faire affaire à deux T-34 maliens qui sont près de notre position. Je peux pas tourner assez. Bah, sort et porte-le, non? Ouais, sort et porte-le. Ok. Vous avez eu les convois qui ont fait la jonction? Ah ouais, je les ai devant moi et non, ils sont trop beaucoup. Trop beaucoup, ok, bien sûr. Ils sont... Je suis en train d'analyser la situation, je pense qu'on va quand même se les faire, mais ils sont beaucoup. Non, je dois préparer mieux mon plan, c'est tout. Je te tiendrai au courant, perso va le terminer. Mais je pense qu'il va pas vouloir, hein. Peut-être qu'il veut qu'on laisse faire en route, non? Alors... Tu Attends, je mets l'anti-char. 350 mètres! C'est bon? Attention! Tu vas en direct ou pas? Fais gaffe, la carte top! Par en top, t'as verrouillé dessus? Ouais. Sur le deuxième, celui qui est derrière. Ouais, bah vas-y. Joli! Ça passe, c'est un T-34, c'est de la loose. Wouh! Bien joué! Blackheart? Je t'écoute. Juste comme ça en urgence là, si j'ai besoin d'une équipe d'intervention d'urgence, c'est possible ou pas? Ouais, Afi. Ok, parce que je préviens comme ça, je vais peut-être faire une connerie. On se va le terminer. Lancelot, est-ce que tu veux que je t'envoie maintenant une équipe ou pas?
je pense pas que ce soit vous nécessaire. Concentre-toi sur ton objectif. Si vraiment ça va pas, j'appellerai, on se débrouillera. Vous avez rouillé avec quoi avec le marquage de la carte? Ok, reçu. Bon, on va vraiment faire le point de munitions là pour le coup. On va au véhicule. Ils ont besoin d'aide, Lancelot? Véhicule. Lancelot aura potentiellement besoin d'aide. Si c'est le cas, faudra que tu y ailles avec ton équipe. Ok. Devant, devant la gauche. Bref. On s'est arrêté pile poil sur le drapeau. Parfait, donc on continue à battre vers le. Oh, ça le fait pas. Arrête-toi, putain. On va essayer de faire une déjà vous. Oui. Yep. Yes. Mon dépôt de carburant, je crois que c'est une vieille bâche du désert. Ouais, je crois que c'est une vieille bâche, ouais. Montez sur le sommet, juste à côté là. Blackheart, on va avancer avec rouge, on va prendre d'assaut, on te dit quand c'est clean. Ouais, bah on va tous se mettre sur la hauteur déjà, ça sera plus pratique. Lancelot, ici Perceval parler. J'écoute. Je confirme destruction des deux convois qui s'étaient rejoints aux coordonnées 261 943. Qu'en est-il de l'objectif carburant, parler. On approche, on est à 100 mètres à peine. Je vous tiendrai au courant quand on le capturera. On va pas le détruire tout de suite si jamais vous avez besoin de ravitailler. Négatif, on peut se rendre au point de regroupement déjà maintenant, étant donné qu'on a traité d'autres objectifs avant que vous ayez besoin de nous absolument parler. On a le dépôt de munitions qu'il faut encore traiter plus au sud. On a du people Blackheart. Bien reçu, bah on va essayer d'aller dessus du coup. Ok, je vous remercie. Je dirais groupe secondaire de recoller sur vous du coup sur le carburant. Ça marche, bien sûr. Terminé. Perceval, terminé. Pour te donner une idée d'à quel point c'est mieux. C'est-à-dire qu'elle a au moins 7 ans que je la connais. Ouais. J'en ai dans ton chat, je l'avais sur mon iPod Touch 2ème génération. Je l'avais sur mon iPhone. On en parlera plus tard, les gars. Concentration. Il a cru qu'on était des hauts d'unité. Oh, on se met en ligne, les gars, on se met en ligne. Moi, je prends une iPod. Vert, vous venez sur la gauche de rouge. On a toute une tripotée de connards à traiter. Sur la gauche, putain, maintenant que je m'étais éloigné à droite. Lancelot, ici Perceval, en fait, je vais passer vite fait au carburant parce que j'ai besoin d'essence aussi. Lancelot, terminé. Perceval, terminé. Ouais. Ok, bien sûr, reste en stand-by quand t'approches, on va engager incessamment sous peu. On attend les copains? Non, non. On va y aller. Qu'est-ce qu'on traite en priorité, chef? Les hostiles qui sont à gauche ne rappellent pas. Ok. Ah, il y en a un alerté là. Ah, ça bouge. Orsène, t'es prêt? Affi. On y va. Celui-là. Celui-là il est capot, hein. Ah, il est mort, ok. Ah, ouais, ouais. Blackheart, 2 balles. Ouais. On est de nouveau sur la fréquence. On est en train d'approcher du point carburant. Ok, tu veux qu'on vous rejoigne ou essaie de se trouver à notre poste? Tu peux nous rejoindre, on va avoir fini de nettoyer là. Ah d'accord, vous avez déjà pris le secteur, ok. Yes. T'avances dessus, Orsen? Ouais, Afi, tu peux aller chercher le véhicule? Yes. Avec Ouais, nickel. Rouge, on avance. Ça marche, bah sauf qu'on t'ordre entre temps, on arrive droit sur le point de carburant. Je vais aller chercher les buggy. On arrive par le nord-est pour information.
Bien reçu, attention, le camp est pas encore totalement clean, il y a un rouge qui arrive dessus là pour finir de sécuriser. C'est bien reçu, on va s'arrêter en abord du coin au nord dans ce cas-là, puis limite on fera un peu d'apifusion. Non, sois ici, Perceval, pardon. Allez-y, Perceval, j'écoute. Objectif est clean, carburant. Afi, vous pouvez venir. Ok, on arrive. Carburant clear, aucun contact ennemi. Ok, parfait, vous me faites un petit périmètre de sécurité, les rouges autour du point, et les autres qui vont faire jonction, le groupe de balles, et il y a le groupe Perceval qui va arriver. On est là. À Blackheart, on a Perceval qui nous a rejoint. Ouais, je sais bien, j'arrive. S'il vous plaît les gars, pas de branle-couille, prenez un peu vos distances, même si vous mettez à 15-20 mètres. Alors comme ça on était short en essence? Un peu ouais. Un peu. Mais le bon piste. HB tiré, ouais. Vous prenez des véhicules... Vous pouvez déjà mettre un véhicule sous celui qui est sous la bâche pour faire le plein, et l'autre vous attendez que les deux soient faits. Pas de mort? Non, pas pour l'instant. Tout se passe bien. Moi, ça va. J'ai failli, mais ça va. J'ai entendu tes exploits. T'as pris un poste d'artillerie ennemie pour dégommer les autres. Lancelot, Perceval, ici Arthur. J'ai failli être tué. Je réponds. Vas-y. Ici Lancelot et Perceval, on est sur écoute, Arthur. Les rouges restent attentifs, vous avez butiné pas près d'un. Abandonner le point de regroupement. Les forces ennemies, en tout cas les dernières forces qui semblent être organisées, se sont rassemblées sur le dépôt de munitions. Une fois que vous aurez traité l'objectif, vous pourrez vous effectuer de la zone. L'armée malienne semble être en mesure ensuite de pouvoir reprendre le relais. Forcément, il n'y a plus rien. Mais... C'est bien reçu, Arthur. Terminé. Putain, MDR, quoi. Tous, quoi. Pour le couille, hein. En vrai, on est d'accord qu'un réservoir de 20 litres, ça met pas 22 minutes à remplir. Normalement, non. Non. Mais putain. Non, mais ouais, effectivement, j'ai utilisé l'artillerie. J'ai gravement blessé deux personnes qui se sont mis en dessous des câbles. Deux. En tout, on était 4 à être blessés. Ouais, mais les autres, par contre, je crois qu'ils se sont pris l'artillerie, car Doc, je crois. Oui. Ah non, je crois que non, c'est. Non, mais à part toi et Arthur. Non, non, mais. Je crois que c'était le bac. Ah bon, il y a eu des bac blast quoi. Ouais, voilà. Ouais. T'as l'histoire. Ceci dit, heureusement, ouais. Parce que t'imagines, on n'en serait pas encore là. En fait, salut. C'est pas faux. Okay. Non, mais c'est surtout que. Bonjour, je vous vérifie. Après, on s'est pris d'artillerie, donc on est vite parti. J'ai eu quelques blessés sur le moment, donc ça a été. Mais bon, les convois, ils sont quand même. Connectés là. Enfin, le premier convoi qu'on a fait était assez mastoc. Et bon, après celui-là qu'on a fait avec l'autre partie du groupe était quand même assez balèze quoi. Mais on est vachement en cours de tubes, on a tiré vraiment beaucoup beaucoup de tubes. Bon, nous on est passé sur Javelin parce qu'on avait un MMP chinois. Il nous reste un AT4 frère, si t'as besoin. C'était un MMP. C'est ça, ouais, c'était un MMP, il marchait pas du tout. On a voulu faire deux tirs. La limite, Nad, le. Ça a failli se finir de manière dramatique. Dans le. Dans que le vous aviez acheté un grand tube de Pringles, vous l'avez repeint et puis. Non, mais bon, c'est. Je suis pas trop fan, je trouve ça un peu. Il y a que celui-là qu'un. Bah écoute, on y va. Dans Blackheart ? Ouais. Je vais aller sur l'objectif munitions. Je vais juste partir un peu par le sud, ok ? Ouais, ça va, je vais aller. Je vais faire péter les camions là, valider l'objectif et puis après on vous rejoint. J'ai fait ton véhicule, je vais passer par le sud. Je sais pas trop c'est lequel. Allez, Kyus, compagnie. J'en ai pas mal en rade. Une question essentielle, il se passe quoi si tu pars en regardant la pompe attachée ?
Ouais, ça risque de bugger pour le coup. Ça c'est notre nade, tu peux prendre. Ouais, le plein est fait. Le plein est fait, ok. Le plein est fait pour nous aussi, la carte on est. Je cherche. Ouais, qui a reçu. Le support, balle. Pardon ? Récupère le support. Et où mon véhicule ? Oui. Non, ici c'est le monde. Pour ouais. De le plein à moitié, c'est bon là ou... C'est marrant, j'avais oublié qu'on était au tronc. Ah, c'est long hein. Bah ouais, c'est pas habituel. Ouais. Ouais. Allez, ouais. Peu fermé. Les rouges, vous regroupez les 3 camions ou 4 camions en un point, non, vous mettez pas. Une charge dessus et vous apprêtez ouais. À faire péter, on écarte les véhicules. Nice. Tu le prends ? Ouais. Je vais aider à déplacer. Je place une charge. Ok, on se met par là à partir. Ok les gars, on se met par là à partir une fois que la charge est posée. Prochain objectif, dépôt de munitions. Les dernières forces ennemies sont rassemblées. On approchera par le nord. Le groupe Perceval approche par le sud. Et puis on va aller prendre Antonaï. Ça va être vite réglé. C'est bon, rouge, on est parti. Et après, ce sera la fin. On est prêt. On est haut pour regarder le feu d'artifice. Ok, on se met en route. Tu peux y aller pour le feu d'artifice. 40 000 litres. Pas 2 minutes, je voyais l'objectif. On va faire plus de 40 minutes de carburant, bordel à tuer, les gilets jaunes ils sont pas contents. Alors on y va. Ok, on y va. Arthur de Lancelot. Ok, à tous, on arrive. Largement avant, il y a des postes de garde extérieure qui sont dans la pampa. Non, c'est pas encore la guerre, mais bientôt. Restez en attente, restez près des véhicules. Je veux juste regarder ce qui nous attend devant. Ils sont beaucoup hein, la carte. Non seulement ils sont beaucoup mais ils ont une bonne position les enculés. Il y a un blindé, vous avez encore de quoi faire sur le tube? Oui. Okay. On a 3 missiles en soi, il y a encore un ATK dans notre véhicule également si quelqu'un a besoin chez Rouge par exemple. Il y a une patrouille en 210 qui avance. Ils l'ont vu. Mettez les UVN, j'ai le laser dessus. Ouais, fibre la carte, fais gaffe à notre. Il va être à droite, du coup, il y a une patrouille assez nombreuse qui est en train de se diriger vers toi. En 240, c'est du monde. 240, ouais, c'est une patrouille proche. Ok, mettez les couilles au sol, les gars, planquez-vous derrière. Ah, lance-le si Perceval parlait. J'écoute. Il y a un T-72 sur place. Hein. Affirmatif, on voit d'ici. Je confirme la présence d'un M113 aussi et de beaucoup de défense fixe. T'as vu le blindé hein, ouais, y'a un putain de T-72 en fait qui. T'as bah, qu'on voit très là, bien. Il te reste quoi en moyen anti-char? Standby. Bah, il te reste quoi en moyen anti-char? Bah, on a encore 3 missiles, dont 2 AC normalement. Le voit anti-char. Ouais, j'ai vu. Qui a reçu. Perceval de Lancelot. Putain, y'a un autre T-34 qui est en train de se balader dans la pampa plus au sud. On a toute une tripotée de missiles, est plus près, on a 3 missiles à portée et on a des T-4 aussi qui traînent dans le véhicule. Ok, parce que moi, personnellement, j'ai plus de missiles longue portée de n'importe quelle sorte que ce soit, il reste plus qu'un AT-4
et 2 RPG. Enfin, 2 AT-4 et 2 RPG. Ouais, j'ai vu le T-4. Il fait à peu près 4 roquettes, donc ça fait 20 blindés et demi des trucs. Si tu me donnes la distance. Sur le T-34 ? Ouais. Peut-être un peu loin, je crois. À peu près. Je pense. T'es à quoi ? T'es à 300 ? Non, là, t'es trop loin, là, gros. 390. Trop loin. Je vais essayer de me rapprocher discrètement. Pour arriver par l'arrière. Du rocher qu'il y a là. Parce que j'ai pas un très bon visuel, là. Bah laisse faire le truc du jeu. Et bien sûr, on est en stand-by. Ah oui. Ça fera plaisir, ça fera plaisir. Apparemment, ils étaient en train d'évacuer, donc je crois qu'il faut pas trop qu'on traîne. Moi, je trouve qu'on est très mal positionné par contre. On est en plein milieu de la Pampa là. Détruire T-72, ça vous paraît possible relativement rapidement ou pas? Je sais pas, y'a pas moyen de se mettre à couvert de la colline ou d'un. Affi, quand tu veux. Val, vous avez sorti le tube? Il est prêt. Ok, je me rapproche en véhicule et visez T-72 qui est au sommet de la crête. Quand on aura besoin. Alors attends, faut que je le dé. Ça va être très rapide. Hein. Je vais essayer de les tirer ou pas? Blackheart, je leur ai demandé, ils peuvent traiter le T-34 à la paix. Ouais, mais pour la priorité c'était 72 pour couvrir Perceval qui va y aller en véhicule. C'est pour après, pas besoin d'utiliser le. De se rapprocher avec un AT-4. Black, on a le droit de tirer dès que ça tire ou pas? Ouais, dès que ça tire, vous pourrez engager. De toute façon, Perceval va tirer le feu, je pense. Mais prenez des couverts derrière la véhicule et tout ça. Et pour le T-34, il va nous tirer, il va nous allumer. T'as dit quoi? Standby, 2 secondes. Bal, vous êtes dessus? On est dessus, ouais. Attends, une seconde. Non, on est pas dessus. Une seconde. Tire en répartie. Dépêchez! Mais donc, il s'est énervé. C'est qu'on pensait installer le deuxième pour aller plus vite, mais tant pis. Non, pas le temps. C'est bon, vous êtes prêts? Quand tu veux. Oui! Personnel de lanceur, on est paré quand tu veux. Je peux tirer sur le T-34, hein. Bah écoute, vas-y, feu! Allez-y, feu! Ouais, vas-y, go! Joli! Excellent! Destruction confirmée! La petite bulgare doit se retrouver. Il y a un M113 aussi qui se déplace. Ma M113. Ah putain, il m'en a mis. Ah si, je suis derrière la. Il y a des alliés en déplacement sur zone, attention à vos tirs à partir de maintenant. J'ai bien reçu le M113, ouais. On va voir. Prends le jeu de boîte, mais je suis pas sûr. On a encore deux AT4 à prendre. Je sais pas où il est passé le M113. Je me mets dans les fonds après ton vol. Ok. Je bouge plus après. Je crois qu'il est où le M113 qui te canarde. Tu veux que je le prenne? Parce que tu veux que j'essaie de tirer. Ouais, allez, vas-y. Ok, c'est futuré. Tu peux essayer de tirer dessus, là? Quel merci. Je vois un peu pas. Enfin, ça bat un peu. Je change de munition, ça va prendre quelques secondes. Je vais vérifier si je boite pas. Ah putain, je boite alors je me suis fait blesser là, au bras. Mais c'est la telle qui ne tient plus. Pardon, pour moi. Honte sur toi, mais honte sur toi. Écoute ton médecin. Voilà. C'est une attelle de homéopathie. C'est un morceau de bois qui a été tracé dans le lit. Qui un jour a vu une. Tu fais gaffe, on s'approche au contact. J'entends mon cœur, t'as c'est normal. Oui, ça. Joli. Ça s'arrêtera bientôt. C'est nous, ça. Tu m'as reçu, Lancelot? Ouais, je te reçois, je te vois. Ne tirez plus vers le centre où on a détruit la corde, là, il y a des alliés au contact. C'est eux, là, au contact, là, au niveau de mon laser? Ouais, c'est eux. Donc on tire plus sur la gauche. Sur la gauche et sur la droite. Donc allié au contact, la cimute 229 à 640 mètres pour tous. Donc attention à vos tirs, ils sont en déplacement. Bon. Donc tirez vers la gauche de la formation ou vers la droite. Ils sont prêts, pas une charge. Non. Thank you.
Alors, les fers, elles allument bien, j'ai l'impression. Ouais, elles allument que dalle, ouais. C'est là. Et tous les coups, ils vont s'éteindre avant d'arriver. Mais non, faut pas dire ça. Sur la crête où le T-72 a été éclaté, il y a du mouvement. Engagé à volonté, c'est ennemi ça. À côté des flammes. Ça va, le lance-flot se fait aviser qu'un gros point ennemi se dirige vers vous depuis la colline où était le T-72. On s'en traite comme on peut, mais faites. Bon, je crois qu'il n'y a plus rien sur la crête. Notre groupe est en 228. Ça remonte, il y a des gens là. C'est capé. Il est toujours intact le mec. Orsten ? Oui. Tu vas prendre ton équipe, tu vas faire jonction avec le groupe de Perceval qui est au contact au centre. Rouge, rassemblement sur. Perceval de l'Antelope. Je sais pas qui c'est, mais il y en a un qui a réduit à l'arme. Perceval de l'Antelope, si vous m'entendez, soyez avisés que nous avançons vers vous. Ah, du coup, WFOV, c'est quoi en fait? West Field of View. Ouais, c'est Wide Field of View, je pense. Orsten, tu vois d'où est parti le tir de RPG 7? Affirmatif. Tu peux avancer dessus et nettoyer ce qu'il y a dans le creux? Non, c'est quand je zoome en fait. C'est reçu. Tu peux me montrer la position au laser exact? Ouais, c'est ça, c'est. C'est reçu. Ah, cool, là. Ok, c'est parti. J'ai un écho chenillé. Dans ce cas ici, Perceval, le camp m'a l'air clean. Il reste cependant peut-être des sporadiques présences ennemies. J'ai envoyé un tridôme sur la colline du T-72. Il est où? Bien reçu, j'ai un tridôme qui arrive vers vous, qui est dans le creux à votre est. A tous, on a des amis qui montent sur la colline TT-72 pour éliminer des poches de résistance potentielles. Ouais, y'a un blindé qui a été repéré du coup, il est où? Négatif, pas de blindé. Ok. Voilà. Y'en a aussi. J'entendais un bruit de chenillé aussi, mais je sais pas d'où ça vient. Ah oui, c'est le T-34 qu'on entend toujours. Orsen, c'est clean dans ton coin. Contact colline T-72. La carte HB, je vais sans en fait derrière juste pour passer de l'autre côté au cas où. Ouais, bien sûr. Ah, il y a un véhicule qui part à droite là, touche pas mon feu. Il est encore plus à droite de la carte, on est en train de faire confirmer. A tous, on se fait flank. Plain ouest, groupement d'ennemis en approche. Affrontement intense. La position est meilleure. Je sais même pas si mes balles partent ou elles rentrent dans le sol direct. Ça a été traité sur la. Ouais, on a monté ça. On est bon derrière. Ah, je suis bon. Orsen, vous êtes ok chez vous? Affiche. Tu peux faire jonction avec le groupe de Perceval qui est sur la colline des T-72 pour apporter soutien. C'est reçu. Le bruit de chenillé, c'est le T-34 encore. Ouais, bien sûr, on s'en doutait un peu. Il faut qu'il aille les voir et qu'il leur dise vous avez fait du bon boulot. Ouais. Il va leur apporter du soutien.
T'es vraiment obligé. Bah, écoute, hein. Ça faisait longtemps que Territor en avait pas fait alors. Bah, tu sais, HB, j'ai un humour de merde. Hein. Mais là. Il est contagieux. Mais là. Ouais, mais tu vois, c'est un ok, c'est clair au niveau du camp en munitions. Effectivement, il est bugué, tu avais raison. Ok, bien sûr. Tu vois, c'est un peu comme si j'avais un rhume et tu réussis à en faire une grippe. C'est ça. Il y a des contacts qui sont pas morts au niveau du. Plus loin, au niveau du rover là. Plus derrière, des contacts qui sont pas morts. Il y a un tireur SVD notamment. Marquage laser sur le tireur SVD. Lancelot de Perceval. Je vois pas ton laser. C'est clean, apparemment il n'y a plus personne autour. Je pense que tout était traité. Il reste juste à faire péter les camions. Si vous avez des explosifs, vous pouvez nous rendre un peu. C'est un drone. Ah ouais, c'est un drone. La carte, c'est bon, c'est le drone, c'est bien à nous, hein. Ouais, ouais, c'est la reco. D'accord, c'est pour être sûr. Ok, Orsen, si c'est traité, dans ce cas, tu peux placer des explosifs sur les camions de munitions et tout ça, et puis nous rejoindre après, et puis après, on va tout faire péter, partir en direction de la ville de Kidal. L'armée malienne va bientôt arriver sur le secteur pour prendre le relais. Est-ce qu'on rassemble le véhicule, le rover Arthur avec le reste Ouais, vas-y. Perceval et Lancelot, nous n'observons plus aucun signe ennemi dans vos environs, vous pouvez vous replier. Tu peux prévenir Perceval qu'on bouge un véhicule? C'est un drone français ça. Bien reçu Arthur, Perceval terminé. Perceval, Lancelot, je vais les aviser que mon équipe d'assaut est en train de bouger les véhicules pour les regrouper afin de les faire péter. Oh putain, je croyais qu'il y avait un truc au loin qui volait en rase-mode, j'ai vu des lumières, mais non, c'est une putain de luciole. On prend les véhicules, on va avancer sur eux, vous remballez votre lanceur les gars. Ça dépend des régions du monde. Dans le Sahara, et bien voilà. La carte, je pense qu'on va avoir besoin de notre véhicule avec tous les explosifs. Vous remballez votre lanceur les gars. Beaucoup de munitions. On va bouger. Ça marche. Ouais, bien sûr, on va arriver. On redémonte, très bien. HB, tu prendras le véhicule de roue du coup, pour le conduire. Du coup, il nous reste quoi? Il reste du coup pour jeu. Celui-là, c'est tout. Ok, donc l'autre. Je sais pas c'est lequel. Ici, c'est le nôtre. Ouais, donc l'autre HB. Celui-là, ouais. Tu conduiras celui-là. Du coup, Blackheart. Ouais. Il nous reste un missile AC, c'est tout. Ok, ça va. Bah, HB, tu peux le ramener, ramener leur véhicule, ils ont besoin des explosifs. Blackheart. C'est celui-là? Ouais, c'est celui-là, ouais. Oui. Permission d'abattre le personnel Territor? Non, pas encore. Après. Derrière, ramène-toi. Du coup, c'est. On rentre. On va leur apporter les explosifs et après on va bouger. D'abord, on va tout. On va tout faire péter avant. Oui, d'accord, et après on rentre dans les gens. Oui. Embarquez, les gars. Elle se la carte a du milieu. En route, les gars, on va rejoindre la. En fait, il nous manque un seul explosif, Black. On approche avec les véhicules. Lancelot ici, Perceval, parlez. Je t'écoute. On part directement sur le point de regroupement du coup. Négatif, le point de regroupement est plus valable. Ah bon, on va où? On quitte le territoire. La corde d'ailleurs, on est à côté, on en fait quoi? On la ramène aussi ou on la laisse là? Donc direction Kidal, Perceval. Ok, reçu. Bon, la laisse là, écoute, tant pis, on va juste faire péter les camions, après on s'arrache. Très bien. Il y a deux charges dans notre véhicule d'ailleurs. T'en as ici deux petites tu charges. Tu peux en prendre ici. C'était la mienne, mais je suis d'humeur généreuse. C'est bon, rouge, je place la dernière charge. Ah, je vais, tu peux remonter, tu as ce véhicule des rouges et puis on va bouger direction Kidal. Après, il a pris les deux quoi. Ready to go. Bijou Ravi. Vous avez placé les charges sous les trucs de munitions et tout, c'est fait ça? Fille pose la dernière charge, Orson. En vrai, c'est bien d'avoir une vraie ville de la taille d'une ville IRL. Tout est prêt pour le feu d'artifice. Parfait, on va s'écarter un peu alors. Bah, la map Saloudia était super sympa pour ça.
Mais par contre, elle faisait ramer comme c'était pas permis, puisque c'est quasiment tout la main. On va se mettre sur la hauteur au-dessus de la profiter du feu d'artifice, et après on s'arrache. Arthur, de lance-le. Ouais, j'écoute. Lance-le, ici Arthur. De lance-le, tous les objectifs sont accomplis, on rentre à la maison. Terminé. Allez, on y va. Alors, c'est quand on fait la mission, il y a des...